Une autre visite d'État du président Alassane Ouattara a compté de ce mardi 10 décembre 2013, quelques jours seulement après celle dans le Gbeke, la visite consacrée au district de Yamoussoukro et à la région du Bélier. Le président de la République arrivait aux environs de 20 heures dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, en provenance d'Afrique du Sud, où il a pris part aux obsèques de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Le chef de l'État, accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a d'abord salué la mémoire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, qui vient de tirer sa révérence, avant de dire un mot sur la visite qu'il attend, indiquant être heureux de se retrouver une fois encore parmi les siens. Oui, avant toute chose, je voudrais vous dire que je reviens de Johannesburg où nous avons participé donc au funérailles nationales du président Nelson Mandela. C'était un moment d'intense émotion et vous le savez, Nelson Mandela est déjà venu à Yamoussoukro en 91 pour rencontrer le président Houphouët-Boigny. J'étais alors Premier ministre et j'avais participé à cet entretien. Et nous avons constaté qu'il y avait de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Je pense une centaine de hauts responsables donc, du monde. Cela montre la grandeur de l'homme et surtout le fait que ses idéaux et sa notion d'humanisme, de paix, de réconciliation ont porté. Et je pense que l'Afrique du Sud a beaucoup de chance d'avoir eu un si grand homme et je souhaite que son héritage soit conservé. Alors, je suis à Yamoussoukro, vous l'avez dit, pour une visite donc dans le Bélier et bien évidemment le district de Yamoussoukro. Nous allons d'ailleurs demain inaugurer l'autoroute qui est maintenant totalement fonctionnelle. Nous avons également un conseil des ministres ici demain. Et je commencerai ma visite à Didievi, qui est donc le village natal de l'ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou. Je suis heureux d'être là. Comme vous le voyez, Mme Ouattara est à mes côtés. Donc, et nous sommes venus nombreux. Le Premier ministre, l'infatigable voyageur à l'intérieur, me rejoint. C'est le Mandela intérieur. Donc voilà, nous sommes vraiment heureux d'être à Yamoussoukro et d'entamer cette visite qui complète en fait la visite que nous avons effectuée dans le Gbeke.